Oh là là, j'ai envie de te prendre dans toutes les positions. Ah, dans toutes les positions, t'es comme Voilà, ça, je te toi. promets. Et dans toutes les pièces? Oh oui, dans toutes les pièces, c'est pas comment on m'appelle, moi. Par contre, je suce pas. Damn bro, c'est béni au passage. J'espère que vous avez apprécié ce petit effet DJ. Je le fais directement avec ma bouche, sans montage, sans trucage, sans logiciel comme un PGM. Laisse un like si t'as kiffé cet effet DJ. De la mort qui tue! Donc, damn bro, c'est béni. J'espère que vous allez bien, mes thugs. Moi, ça va super. Encore merci pour tous les likes, les partages, les vues, les commentaires. C'est un truc de fou malade! Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Merci à tous, sérieusement, merci à tous. Je vous embrasse tous. Je vous embrasse les fesses et tout ce qui va avec, poto. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne, gameplay, c'est du AW, une petite DNA, vivement BO3. Franchement, vivement BO3 les gens, j'en ai marre des anciens codes, bref, c'est pas le sujet. Donc nouvelle vidéo sur du AW, pardon, petite DNA, je sais pas la map parce que je sais pas encore le gameplay, mais ce sera une DNA, voilà, quoi qu'il arrive. Donc les gens, aujourd'hui, c'est un petit tuto, je me suis un peu perdu. C'est un petit tuto, voilà, what the fuck, comme vous les aimez. Donc j'espère que vous allez kiffer celui-ci. Donc le tuto aujourd'hui mon gars c'est comment être un thug, un fifou de la night, un malade, un voilà un dingue. Donc sache un truc mon pote, quand t'es un thug, c'est pas que l'apparence qui compte. Être thug c'est un style de vie, tu vas vite comprendre pourquoi. Mais la règle numéro 1 mon gars pour être un bon thug, c'est baston de regard. Ah baston de regard frère, y'a rien. Tu peux avoir l'apparence que tu veux, l'attitude que tu veux, si tu sais pas faire une baston de regard, t'es pas un vrai thug pour moi. Tu vois, faut fixer ton adversaire, lui faire des petits yeux sournois comme les Chinois, comme ça, tu vois, brider un peu tes yeux, le fixer, ne jamais baisser les yeux. Quoi qu'il arrive. Pour t'entraîner, tu le fais sur tes petites filles de 5 ans, ça passe. Tu t'entraînes sur tes filles de 5 ans, tu fais des bastons de requin avec pour t'entraîner, puis après tu t'attaques à un level supérieur. Ça, c'est l'entraînement du thug, mon gars. Ok? Jamais baisser les yeux, faire des petits yeux sournois comme les Chinois. Voilà, tout simplement. Y a rien à dire à ce sujet-là. Donc, mon pote, faut savoir aussi, quand t'es un thug, c'est aussi une façon de parler. Tu vois, il faut savoir communiquer le thug, ok? C'est pas genre tu viens en mode « Salut, je m'appelle Jean-Louis David, alors moi j'ai 18 ans, je travaille... Ouais, à 18 ans je travaille déjà parce que j'ai fini mes études très tôt, parce que je suis très intelligent. » Ça, ça passe pas, gros. Tu vois, si tu veux faire le thug et que tu parles comme ça passe pas. Quand t'es un thug, faut parler le thug, genre « Ouais, je m'agueule bien ou quoi ?» Et alors, c'était comment la prison, tu vois? Mais tu peux aller plus loin dans le langage thug, tu vois? Dans le sens où il faut mettre aussi l'intonation de la voix, tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple connu, Booba. T'articules comme lui. En gros, t'articules pas. Donc, c'est genre. Ouais, j'ai bien un frangin ou quoi. Tranquille. Sarté avec la famille. Neuf de aisé. Tu vois, t'articules sans trop articuler. Et il faut faire un mix des deux. C'est ça l'important, tu vois. Ça, là, alors là, si tu maîtrises donc l'articulation à la B2O, et puis les mots comme wesh, cousin, tranquille la famille. T'associes ces deux mots-là, en général, c'est bon. T'es bien parti pour être un thug. Mais c'est pas tout. Être un thug. Être un thug, c'est pas à l'apparence. Je t'explique. Tu prends Tony Montana. Tu le vois, le mec petit costard, petite cravate, bien habillé. On dirait pas un thug, un fou, un malade comme ça, un voyou. Pourtant, ouais, c'est un film. Mais crois-moi, c'est un film repris un peu de la réalité. Ok? Donc, ça a rien à voir à comment tu t'habilles être un thug. Puis tu vois, il y a des mecs, même s'ils s'habillent avec des longs t-shirts à l'américaine, des pantalons jusqu'en bas des fesses, genre on dirait la chier dans son froc. Snapback, casquette, tout ce que tu veux. C'est pas crédible parce que le mec il a une tête de gentil. Ah ouais, ça arrive hein. Le mec limite il vient, il fait donne-moi ton portable. Tu rigoles. Parce que tu vois, le mec il a la tête de Louis. Tu vois, Louis. Pas lui hein, Louis. Hein, pas lui, Louis. Enfin, t'as compris. Enfin, jeu de mots pourri. Voilà, au calme, comme d'hab. Que serait une vidéo de Benny sans jeu de mots pourri? Ça serait pas une vidéo de Benny, tout simplement. Donc voilà, si t'as une tête de gentil, même si t'es habillé comme un toc, ça. Voilà. Le conseil que je donnerais à ces personnes-là, parce que malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui peut avoir une tête, tu vois, de beau gosse qui fait thug en même temps, c'est tu prends une machette, tu te balafres la gueule, tu te fais des petites balafres pour dire « Ouais, moi, je me suis fait planter et tout. » Tu dis pas que tu t'es balafré tout seul, hein, attention. Hein. Tu trouves un petit mytho crédible, genre je me suis fait balafrer lors d'une bagarre, tu vois, tu trouves un petit mytho. Et voilà, pour rendre un peu ta gueule un peu plus thug, tu te fais des cicatrices, au calme sur la gueule, sera un peu plus crédible comme ça. Ok? Donc, comme je t'ai dit, être un thug, c'est pas forcément l'habit fait pas le moine. Même quand t'es un thug, mon pote, l'habit fait pas le moine. Donc, aussi ce qui est important quand t'es un thug, forcément, c'est faire un taf de thug. Hein? Je vois pas un voyou, mon gars, c'est pas le genre de mec qui se lève à 7 heures.
pour rentrer chez lui à 16h en disant « Oui, j'ai passé une bonne journée au travail. » Non, non, non. Un thug, il se lève à 15h minimum. Pour lui, 15h, c'est le matin. Ok, 16-17h le matin. Ok, il rentre chez lui à 3-4h du matin. Ça, c'est déjà un horaire de thug. Alors, tu vas me dire « Ouais, mais il fait quoi comme taf ?» Eh ben, mon gars, il y a vente de la bœuf. C'est le plus connu. Il y a aussi braquer des maisons, voler des voitures et celui que je préfère, violer des grands-mères. Ah ouais. Parce que si tu fais plaisir à mamie, mamie, elle te donne ton argent de poche. Ah ouais, les vieilles, elles sont riches, hein, crois pas. Donc, mon gars, il faut faire des tafs illégaux, en noir, pas déclarés à l'État. Ok. Et puis, si tu veux remplir un peu plus les poches, tu veux un travail sur le côté, genre garagiste ou quoi, ou travailler dans un magasin de chaussures, ça passe. T'as vu. Donc, faut faire un taf de thug, impérativement. Faut faire des études, mais sans les faire aussi. Ça, c'est pour les plus jeunes. Si t'as 14-15 ans, tu vas à l'école, mais sans aller à l'école. Alors, je m'explique. C'est genre... Voilà. En général, quand tu vas à l'école, c'est juste pour une chose, faire tes heures de colle. C'est tout. Sinon, les heures habituelles, tu n'es pas en cours. Voilà. Ça, c'est l'horaire du thug à l'école. Je pense que je me suis fait comprendre. Ok. Donc, ça, c'est la base pour être un thug. Avoir des horaires... Les horaires que je t'ai dit, avoir un travail de thug. Aussi, c'est important quand t'es un thug, c'est faut savoir agresser les gens pour tout et n'importe quoi. Genre le mec qui regarde ta chaussure. Je dis, pourquoi tu regardes mes chaussures? T'as un problème, là? Tu veux qu'on converse? C'est ça? C'est pour ça que tu regardes mes All-Star? Hein? Mais ta mère, toi. Tu vois, et tu dois savoir faire ça aussi, tu vois. Faire semblant que tu vas mettre une tête au mec, genre faire. Tu vois? Mais pas à force. Tu mets pas la tête. Tu dois lui faire peur en faisant semblant de mettre une tête. Ok, ça c'est important quand t'es un thug. Avoir la gestuelle, genre je vais te mettre un coup, mais je te tape pas. C'est important. Et aussi quand tu parles, j'avais oublié ça. Fallait que je le remette avant, mais c'est pas grave, je le remets ici. Quand tu parles, faut mettre un peu ta bouche sur le côté. Ah ouais, bouche sur le teco, mon gars. Obligé. Bouche sur le teco. Genre, ouais, je cousin, bien ou quoi. Tranquille. Bref, et je reviens à mon explication d'avant. Il faut savoir agresser les gens pour tout et n'importe quoi. Tu vois. Genre, limite, même le mec, s'il prend un chewing-gum qu'il jette à la poubelle, tu le regardes, tu fais oh. Pourquoi tu mets ton chewing-gum à poubelle? C'est pas le mettre à terre comme tout le monde? Hein? Tu te rebelles là? Hein? Qu'est-ce que t'as? Ah, nique ta mère! Hein. Ça c'est important, mon pote. Savoir agresser les gens pour tout et n'importe quoi. C'est la base du thug. Ensuite, Air Max. Ah ouais, je t'ai dit, c'est vrai que j'ai dit la vie ne fait pas le moine, mais je vais te quand même donner un style de vestimentaire. Je vais te donner le style vestimentaire thug à la française et thug à l'américaine, comme ça t'as le choix. Celui à la française, c'est Air Max. Obligé, Air Max. Training, petit training Adidas, pot de pêche de préférence, tu vois, petite casquette Lacoste, au calme, t'as vu, pas sur le teco, hein, là, Lacoste est toujours droit, jamais à l'envers, toujours droit, tu vois, petit joint sur le teco de l'oreille, ça c'est le toc à la française. Le toc à l'américaine maintenant c'est t-shirt blanc, sans rien dessus, sans dessin dessus, un baggy, tu vois, puis grosse Timberland Samir, tu vois, un petit bandana aussi autour du cou, tu vois, comme ça, mais pas comme moi de l'autre côté, genre en mode cowboy. Mais sur eux, ça fait thug, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le thug à l'américaine, voilà. Même comme je t'ai dit, généralement, l'habit fait pas le moine même pour les thugs, mais voilà. Si tu veux quand même un style vestimentaire pour aller avec ta gestuelle, je t'ai donné, à toi de choisir le français ou l'américain. Bref, les gens, ce petit tuto, what the fuck, bah, je pense que j'ai pas plus de choses à dire que ça. Mis à part que, comme t'as compris, c'est à la rigolade, hein. Hein, ça va, hein. Je juge pas moi-même, j'ai un style de voyou, pourtant je suis... Enfin... Maintenant, je suis quelqu'un de calme, voilà. Je parlerai un jour de mon passé, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, je suis quelqu'un de calme, la biffez pas le moine, les gens. C'est apprendre à la rigolade, pas à prendre au sérieux. Je vous dis pas de changer, juger les gens sur leur apparence, sur leur façon de parler. Tout ça, c'est une histoire d'éducation aussi, tu vois. Il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas eu de père, ils n'ont pas eu de mère, ils sont éduqués tout seuls. Il y a des gens aussi qui parlent comme des voyous, et qui pourtant sont des personnes avec un bon fond. Hein. J'en connais plein. Des gens qui te parlent comme si c'était des voyous, des thugs. Mais que c'est des gens, si t'as un souci, c'est les premiers à venir vers toi, ils travaillent, ils nourrissent leur famille. Donc voilà, c'était vraiment un tuto à prendre au second degré, les gens, comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais j'espère qu'il vous a plu et que vous laisserez un like, les gens, que vous ferez péter les likes. Laisse un commentaire, comme d'hab, j'ai envie de dire, je me ferai plaisir de les lire, poto. Un petit commentaire si t'as kiffé ce tuto. Si t'as aussi, tu vois, une petite astuce pour ce tuto, tu le mets en commentaire pour les gens. Tu vois, on sait jamais, j'ai peut-être raté une petite astuce, tu le mets en commentaire, comme d'hab. N'oubliez pas le partage, les gens, le partage qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de me follow sur Twitter. Voilà, si t'as Twitter, tu me follow sur Twitter. Comme ça, t'es au courant de tout. Tu peux interagir avec moi. C'est ça qui est bien avec Twitter. Bref, les gens, encore merci pour tout. Merci pour votre amour. Merci, merci, merci. Je vous love. Je vous embrasse les testicules. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. C'est le plus important. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube, les gens. Ciao, ciao, bye bye. Je vous embrasse. C'était Benny aux commandes. Salut, les gens.